Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta avec l'initiative. L'initiative qui est en dèche de matériaux, en particulier d'eau et en particulier de métaux de base maintenant. J'ai pas mal de campements de base qui sont en cours de rénovation. Voilà, donc j'attends un peu que ça redevienne effectif parce que ouais, j'en ai pas tant que ça qui sont en cours de rénovation. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud parce que c'est vrai que là je vois que celle-ci, je l'ai pas évolué. Je vais peut-être bien la lancer, ça me coûte combien? Ah ouais, non, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas assez de matériaux, ça me boufferait tout ce que j'ai en métaux. Et le reste, il faudrait que je l'envoie depuis la Terre. Ça me coûterait du boost. Donc voilà, je suis en attente. J'en ai 1, 2, 3 quand même. 4. J'ai 4 stations qui sont en cours d'évolution. Celle-ci était vraiment pas terrible, donc c'est pour ça que j'ai pas fait évoluer. Celle-là, elle est encore plus catastrophique. Vraiment des sites qui sont pas intéressants du tout. Celui-ci, par contre, je vais quand même le faire évoluer parce qu'il a pas mal de métaux. Hop. Et celui-là, je peux le faire sans problème. Comme ça, c'est fait et c'est plus à faire. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, c'est un peu la dèche. Le ciel terrien est libre de tout alien. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas réenregistré, donc je suis un peu rouillé sur ce que j'avais fait aux épisodes précédents. Vous m'excuserez par avance si vous suivez la série. Peut-être voir des redites. Si je refais un tour de mes pays, je vois que... donc là, j'ai une cohésion qui grimpe, mais c'est pas évident de faire rebaisser la cohésion. Je sais pas trop ce qui peut permettre de la refaire baisser, peut-être... cohésion, c'est ce symbole-là. Alors, c'est certainement pas l'unité qui l'a fait augmenter, hein. Ça fait partie des défauts de l'unité. Elles permettent de garder une bonne opinion publique, mais pour ce qui est de la cohésion... J'ai pas grand chose qui permette de la faire baisser, sinon si, il y a toujours les déclarations de guerre, hein, mais c'est un moyen, je trouve ça presque un peu de la triche, de déclarer un rival en vitesse, et puis ensuite de faire une déclaration de guerre pour faire diminuer artificiellement la cohésion. Pour le reste, hein, y a vraiment pas de soucis, j'ai des stats qui commencent à être vraiment très bonnes, sur ces pays-là. Bon, ensuite, ça fait longtemps que je les contrôle, donc j'ai 30 000 de PIB par habitant en Eurasie, aux États-Unis d'Amérique. Là, j'ai 53 000. Mais voilà, une unité qui est très élevée. Ceci dit, une opinion publique... Ah oui, mais elle avait fortement baissé, ça me revient, à cause d'une saloperie d'event qui avait fait énormément monter l'opinion mondiale des serviteurs. Mais bon, ça devrait remonter tout seul, ne serait-ce qu'avec l'unité qui tic. Bon, là, ensuite, l'Inde est pas ouf. J'ai à récupérer le Bangladesh qui peut fédérer avec l'Inde. Ah. C'est bon à savoir. Là, il faut que j'attende 9 jours, donc ce sera au prochain tour. Mais je peux faire la fédération Inde avec Bangladesh. Donc on va faire ça. J'ai Inita. Alors je vais sans doute faire un peu d'opinion publique pour réaugmenter
Making our case. Mon niveau ready. De popularité. Hop. J'ai une plus grande population. Il est où le niveau de population? 672, oui, c'est à peu près la même chose. I will try to sway the public. Ready. Qu'est-ce qui... Standing by. 15 en persuasion. Standing by for orders. I'm here. 19 en persuasion ici. Hop. We'll make our appeal. Where do you need me? J'ai Acknowledged. Dashus qui doit... Il peut... Ah non, Dashus, il peut Standing pas faire. By for orders. J'ai besoin de reblinder les États-Unis d'Amérique du Nord. Et bah du coup, Dashus, tu vas hop, faire la fédération avec le Bangladesh. Voilà, j'ai encore d'autres stations que je pourrais autour de la Terre que je pourrais améliorer. Sauf que bah, j'ai plus de thunes, j'ai plus beaucoup de boost et j'ai plus beaucoup de matériaux, donc c'est le drame. Mais faut faire avec. Hop là. I will help them. Protecting our interests. Protect my interests. Avec ce magnifique accent. Alors, en orbite basse de Cérès. J'aime pas trop qu'il aille se balader à Cérès. Hop, je vais refaire 2-3 coups. Ouais, 70, c'est très bien. Ah oui! Plus! Ah, je suis passé de 500 à 700. Policy direction complete. Hop, fédération. Ah, bah je peux faire le Sri Lanka aussi, du coup. J'aurais pu en faire 2. Hop. On attendra le prochain tour. Hop. Autour de Mercure, plus 2. De spatioport. Les points d'investissement après Providence. Ok. Capacité de points de gestion, plus 25 000. Bon, là, celui-là, je vais aller le chercher, même si, à mon avis, je vais jamais le construire. Super collisionneur. Ah oui, quand même. Oui, mais ça, c'était... Ça coûte tellement cher que... Pour générer de l'antimatière. Autour de Mercure, ce sera important. Réacteur à cœur. Et ça, c'est... Ouais, ok. C'est le réacteur, donc ça, c'est pour mettre sur les vaisseaux. Quand j'aurai de l'antimatière. C'est bien, mais c'est pas non plus ma priorité. Je vais faire ça en vitesse. Ça va me prendre 2 secondes. Point de contrôle perdu au Brésil. Ah, merde. Les serviteurs viennent se réinstaller. Complexe... Ah, c'est très bien ça aussi. Des complexes agricoles. Des fermes. Tout ça, ça va me refaire gagner de l'eau. C'était pas consolidé, si. Bon. Ça m'agace un peu. Est-ce qu'il y aurait un alien qui se baladerait par là? Ah bah justement, il faut que je reconsolide. C'est pas top. Alors... Securing our interests. Dashus, tu vas venir... me reprendre ça. We're taking power. Et Brigueux, du coup, tu vas me faire la confédération avec le Sri Lanka. On my way to the capital. Ok, ça c'est passé. Complexe agricole, et ça c'est ferme à réacteur à fusion, d'accord. Bon, je retournerai voir entre deux épisodes les bases. Mais il me faut de toute façon plus de réseau, de réserve. Pour quoi que ce soit. Allez, allons chercher l'ambition mondiale quand... On va devoir aller chercher les pays en Afrique, en Asie, en Moyen-Orient.
The people will come to our side. 68. Public opinion is moving in our direction. Bon, 79, on va rester tel quel. We've moved the needle. 76, allez. Si je dépasse les 75%, ça va. Mission complete. Hop. Aidez-moi, le Sri Lanka. Nouveau projet disponible. Manipulation contre nos points de contrôle. Ouais, bien. Encore une mission de défense. Voilà, merci. Complexe de néofabrication. Plus de sous. Toujours bien. Hop. Donc. Tu vas reblinder le Brésil. Where do you need me? Alors. Ma flotte terre, où est-ce qu'elle en est en matière de carburant? Elle est toujours autour de Mangazore. Et elle est à 12,2 sur 17,3. C'est toujours pas ouf. Et je continuerai d'utiliser toutes mes réserves d'eau. On va rester comme ça. Alors. On va aller chercher. C'est quoi? C'est la Bolivie, je crois, qu'il y a une. Qui peut faire le super état en Amérique du Sud. Oh, c'est bien ça. Je vais le chercher. Union sud-américaine, c'est ça, c'est la Bolivie. Je peux faire un gros état. Et là, c'est l'Égypte, la Ligue arabe unie. C'est des pays qu'il va falloir que j'aille chercher. Donc la Bolivie, je vais aller prendre à l'humanité, hein, ça va pas lui plaire, c'est pas grave. On a dit qu'on faisait plus trop dans le sentimentalisme. J'ai sans doute perdu trop de temps à le faire. Hop, Dachus, tu vas me prendre. S'il te plaît, merci. La Bolivie. Ça fait partie de mes objectifs, hein, de toute façon. L'Égypte, elle est acquise. Elle est en plus au serviteur, donc ça me va bien. Alors peut-être que du coup je vais plutôt envoyer Dachus récupérer ce point là qui va être un petit peu à 2%. Ah ouais, non, c'est Dachus que je veux, s'il te plaît, merci. I'm here. Hop. 11%, c'est nettement mieux. Hop, si je le booste, il y a vraiment un truc dont non pas. Removing our enemies. Your orders. C'est l'influence. Avant, donc du coup, je vais quand même faire une répression dessus. Avant, histoire de doubler mes chances. Hop. Apply pressure on their people. Ça devrait le faire sans trop de difficultés. Adriel, là, tu. Hop. Tu me fais ça. Donc toi, tu vas venir plainter. Non. Toi, tu vas venir purger. Terminating the opposition. I'm here. La Bolivie, Ita, tu ready vas venir for my blinder. Mission. Protecting le Brésil. Et Brieux, tu peux retourner en combiné pasiatique. Offering support. Lending my expertise. Affectation permanente. Securing our control.
public opinion is moving in our direction. Ah, il a du mal quand même, hein. We've hit them where it hurts. Bon, ça devrait pas poser trop de problèmes. Avancer, des scientifiques travaillant dans le laboratoire du combiné panasiatique ont fait une découverte inattendue, formidable. Alors, dès que le combiné panasiatique connaît une augmentation importante de son PIB. Formation, éducation. Achat militaire, je m'en fiche. Hop, renforce mon opinion dans le monde entier. Oh, c'est bien. 3%. Tire à loin. Hop. Zone d'information. Ça va être le T3. We are in control here. Voilà, merci. Alors, base de combat sur la Mars. We are in control here. C'est... Ça commence à remonter. Alors, je vais quand même m'occuper du coup. Essayer de faire évoluer. Là, je suis à 91. Hop, je suis quand même intéressé. Ouais, ça me coûte 492. Il va me falloir du coup plus d'énergie. T3, tac. Je vais changer. Hop. 35. Hop. Ça suffit bien. Autour de Mars. Ok. Là, je suis en T3. Tac, tac, tac. Là, je suis pas encore. Mais j'ai des revenus qui sont poivres. Toi, tu as des revenus en eau qui sont corrects. Celle-ci est pas mal. Donc. Améliorons ça. Et. Campus de recherche. Tiens, j'ai pas de. Non. Hop. Ouais, c'est dommage que je préfère que tu éteignes le campus et que tu allumes ça. Merci. Enfin, non, non, plutôt. Bof. Ouais, ça change pas grand chose. Hop, on va se limiter à ça. De toute façon, j'ai plus de métaux donc. ça résout le problème. Ready. Alors, Ita. Tu vas me consolider, s'il te plaît, la Bolivie. Making things safe for our people. What's the op? Qui est... Comment? Ouais, en toute logique, c'est tout pourri comme pays. Ici, qu'est-ce qu'il faut? Que je diminue les inégalités avant tout, hein. Alors, ou pas. Non. Là, il faut, en fait, ce que je vais faire... Et... Ah bah non, c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut en matière de... point de contrôle de mission. Donc, du coup, j'ai pas besoin d'en refaire davantage. Donc, oui, du coup, c'est bien-être. Hop. Tac. Allez, 100% bien-être. Même chose ici. Hop, on fait diminuer les inégalités. Donc, Ita qui me blinde ici. Alors, Dashus, tu me vires, s'il te plaît. Là. Une petite purge qui va bien.
terminating the opposition. Gilou, tu vas me virer. Ces gens-là, et Stron, tu me feras du blindage. Après, ce que tu vas faire, ça va être de diminuer l'agitation. Non, ça tu sais pas faire. Donc ça va être Ita qui va diminuer l'agitation. En Bolivie. Hop. Offering counsel. Making things safe for our people. Public sentiment is increasingly with us. Okay. Things are stabilizing. Hop, un petit succès critique qui va bien. Hop, c'est bon pour l'Égypte. C'est parfait pour l'Égypte. Voilà, je suis remonté un peu au-dessus de ma limite. Mais je pense qu'en termes d'influence, je vais arriver à le supporter. Bon, heureusement, mes gains en sous sont quand même plutôt corrects. Alors, les alliances se terminent. Je m'en fiche. Par contre, il ne faut pas que je m'en fiche. Hop, géré. Alors, tu vas certainement pas avoir... tu vas t'allier, hop, et tu vas faire ça, confirmer. Pour la Bolivie, tac. Et pour l'Égypte, même topo. Tac, tac. Et pour tous les autres. Je peux garder tes rivalités si tu veux. Par contre, tes alliances, je n'en veux pas. Très bien. Très très bien. Ton armée, tu vas la faire sauter par contre. Là, il continue de se faire la guéguerre. Pas grave, un jour ce sera à moi. À moi ! Comme dirait Katsuki. Where do you need me ? J'imagine que. Alors, comment s'est développé ça ? Laisse-moi deviner, mal. Oh, comme c'est surprenant. Ah, par contre, il n'y a pas d'agitation. Ça, c'est cool. Donc, pareil, on fait diminuer les inégalités. On va faire diminuer l'agitation donc au Brésil, en Bolivie. On va calmer un peu tout le monde. Hop. On va mettre tout le monde dessus. Adriel aussi. Tac. Voilà. Et toi, ah bah si, elle pouvait faire de la. Bon, les sous, ça remonte. Offering assistance. Réacteur à fusion civile, très bien. Investissements nationaux dans la priorité économie. Moins de génération de saloperies. Donc, on va aller chercher les points en plus. Pour ne plus être dans le rouge. L'IA gère quand même pas super bien les combats. Oh, complexe administratif, ça je sens que ça va m'intéresser. Things are stabilizing. Allez, on va recommencer. Réchauffement, attends, ah, super. Nous devons doubler l'effort pour négler le phénomène. Ça tombe bien que j'ai des sous. Nous partons quoi qu'il arrive, ça c'est pour le projet Exode. Ouh, tout nié. ouais, les réchauffements dus à l'activité humaine a maintenant atteint environ 1,5 degré de plus que les niveaux pré-industriels.
Les vagues de chaleur futures ne feront qu'empirer, exposant 14% de la population mondiale à une chaleur extrême. Au moins une fois tous les 5 ans, des tempêtes et inondations intenses sont aussi attendues. Les récifs coralliens globaux risquent aussi de réduire de 70 à 90%. Bah ouais, hélas. Donc c'est bien que j'ai récupéré des sous. Hop, voilà, ça va diminuer rapidement. Deux succès critiques de suite. Respect. Au prochain tour, ce sera tranquille. Hop. I am impressed. That does not happen often. But tell me, what new weapons does this allow for? And when will they be ready? Anything else is of little consequence. Commissioner Kiran Banerjee, member. Bravo le protectorat. Tout ce qu'il veut, c'est des armes. Je te jure. La fusion nucléaire qui protège le monde des futures crises énergétiques. C'est très bien. Ça, je sais absolument pas à quoi ça correspond, mais c'est très bien. Ferme de réacteur à fusion lourd. Mmh. J'ai quasiment... C'est ouf. Ah non, c'est les technologies, pardon. Propulsion par antimatière destinée sur Jupiter. Ouais, pareil, il faut vraiment que j'y pense, mais il faut que je me fasse un vaisseau qui puisse aller sur Jupiter. Laser de compte de phase quand j'ai l'armement de matière. Guerre biologique ciblée, pas bien. Accélérando. Priorité économie augmente de 2% au niveau mondial. Il permet de faire. Ah oui, non, Empire mondial, j'étais déjà allé voir ce à quoi ça servait et c'était pas ouf. Ça c'est encore des propulseurs, catapultes électromagnétiques, superconductrices, qu'est-ce que c'est que ce truc? Catapultes électromagnétiques. Catapultes. Hop, c'est ça. C'est quoi? C'est un... D'accord, c'est juste entre guillemets un réacteur qui a même des stats assez pourras en comparant, sauf oui, qui utilise des métaux de base sur lesquels je galère. Bon, ça n'apporte rien d'autre, c'est totalement inintéressant. Quel est l'intérêt de ce truc? Je ne sais pas. Le nombre de réacteurs me surprendra toujours dans ce jeu. Donc c'était pas ça que je voulais faire, je voulais fermer. D'ailleurs ça coûte pas très cher. Propulsion par antimatière, 100 000. Ça continue d'améliorer. Tiens, je vais aller chercher les lasers à commande de phase, tourelle. Ouais, je vais aller chercher ça va nous changer, ça va nous faire un peu de pium-pium. Catalyseur à neutronium. C'est quoi les catalyseurs à neutronium? Catalyseur à neutronium. Un petit nombre d'électrons pour catalyser les réactions nucléaires. C'est bien ça. C'est bien. Augmente de 35% la poussée des propulseurs à fusion et à fission. C'est bien ça. Il y a bon pour la panoramique potion. Hop, allez, confinement du neutronium. 50% de chance d'y arriver, c'est pas ouf. Assembleur atomique industriel, 5% à la priorité économie. Centre d'information, complexe administratif. Et du T3, ça fournit 2 et 30, c'est très très bien ça. Je veux.
Ouf. Hey, tu m'enquiquines, toi? Je suis sûr qu'il a un saloperie d'alien. J'en suis sûr. Alors, si j'en suis sûr, je vais. Allez, à Brasilia. Et faire de la recon. Ferme solaire sur la station Mondaf, d'accord. Pourquoi mes gains en métaux ont encore diminué, C'est pas juste. C'est pas juste. Dashus, tu viens de récupérer ça, s'il te plaît, merci. Et avec le sourire. Là, de toute façon, ça devrait le faire avec les trois qui vont me faire baisser. Ça ira bien. Hop. Bah c'est tout. Hein. Lending my expertise. Initiating surveillance. Ah, je te vois. Hop, plus de savoir, c'est très bien. Qu'est-ce que ça sert? Vulnérabilité au combat lorsque l'employé. Ah mais c'est radiateur, train les mags. Plus d'économie, blindage urbain, je m'en fiche. Batterie à bobine supraconductrice. Je m'en fiche un peu. Madrid c'est à moi, Rabat c'est pas à moi, mais je peux augmenter Madrid pour que ça me coûte. Allez. On va faire les petits projets qui permettent de faire évoluer certains pays. We destroy everything we touch, yet we cannot stop ourselves from touching more. We are so lost, Ivechi. So very lost. Commissioner Kiran Banerjee, private correspondence. On fait encore diminuer du coup les problèmes de pollution. Et on a dit qu'on allait aller chercher ça. Violence is abating. Things are cooling off. Donc, troisième succès critique de suite. Things are cooling off. Elle est ouf. Alors, très bien. Bon, toi, je sais ce que tu veux dire. Yes! Mais pourquoi ça baisse encore? Ça fait toujours plus d'eau. Floraison soudaine, saloperie. Envoyons des équipes pour brûler. Burn the witch! Il va falloir aller chasser les plantes. Gibraltar, c'est bon. Alors, bah ça c'est un favori aussi. Ferme, ça fait quoi ça? 450, faudrait comparer. Par contre, ça consomme, j'imagine, beaucoup plus de... Ah mais si, je sais pourquoi je consomme... Je récupère moins de métaux. Je pense que tout ce que j'ai terminé, ça doit me demander en entretien. En métaux nobles, en métaux de base. Tiens, tout va bien. Tout va bien, madame la marquise. 50 000, allez. Ouh. Parti là-dessus. C'est pas très équilibré, hein. Les projets de recherche. Je sens qu'il va me détruire des trucs. Et j'ai pas grand chose, voilà. Base McMurdo. J'espère que t'as du T3. Mais j'en suis pas sûr. Ça ressemble à du T2.
Ça ressemble complètement à du T2. Au revoir. Baz McMurdo, tu m'as apporté quoi? Il est vraiment pas gentil. We've removed some threats. Ah, ouf. Complexe administratif, là il va falloir que je fasse des évolutions aussi. Hop, ça, ça va être vite recherché. Boum, nano-usine détruite. Tu m'étonnes. Vortex polaire, eh ben oui, finançons. Boum, complexe minier, oui, sans blague. Oui. Sans blague. T'es où toi? C'est quoi ce pays? Deux aliens d'un coup, c'est deux aliens de trop. Et voilà, c'est fini. Ah ben non, pas encore. Bon. Je sens que j'ai plein de choses à faire. Alors, Gilou. Gilou, tu vas me défoncer ceci. Alors, Citron, tu vas enquêter sur celui-ci. Je suis absolument certain que c'est un alien. Celui-ci, c'est fort probable que ce soit un alien. On va mettre Dashus dessus. 15-15. Et 10, c'est 3 en investigation. Donc on va mettre Dashus sur celui-ci. On va mettre Adriel en blindage du Brésil. Et Ita... Ready for my mission. Reporting in. Qu'est-ce qui peut faire de l'enquête à part Brieux? Standing by. J'ai Dashus. Ah ben non, du coup. Ita, avec tes 15 d'investigation, tu vas aller sur lui. Tracking target. Et Dashus. I'm here. Tu vas aller voir ce qui se passe là. Voilà. Allez, adieu, Vesma, McMurdoch. Securing our interests. Ni McMurdo. Plus ça coûte un bras de construire des trucs ici. I have new information. Et j'ai de toute façon, j'ai pas assez. Oh là là. Protectorat. J'ai pas assez pour faire directement une base de niveau 3. 882, j'y suis presque, ceci dit, mais ça voudrait dire que je me tomberai à 0. 0 point de boost. Faut juste que j'attende un peu. Je vais voir un peu ce que fait sa flotte. Si jamais elle s'énerve sur quelqu'un d'autre. Voilà mon Xénoforme Alpha. Je le savais qu'il était là. Qu'est-ce qu'elle fait sa flotte? Saloperie autour de Mercure. Est-ce qu'elle s'en va ou est-ce qu'elle s'en va pas encore? Toi, tu t'étais fait un peu casser. Et toi, tu t'es... pas fait toucher du tout. Par contre, il a viré son vaisseau mère. Ok. Ok, ok. Ambition mondiale, c'est fait. Du coup, oui, c'est bon. Victor 193, ça en va de nous. «
Du coup, il faut que je choisisse. Qu'est-ce qui va m'intéresser ? Booste encore la providence. Ça permet quand même de. C'est bien pour améliorer quand même les nations que je récupère. C'est quand même une bonne chose. Donc, on repart sur Mercure du coup. Saloperie. Ah non, il faut que j'attende. Je vais faire directement le T3. C'est une information. Ok. Je vais aller chercher. Vendre des ressources sur le marché terrien et 100% de recettes en plus, ça sera vite cherché de toute façon. 982, c'est bon, je les ai. Ah ben non, je peux le faire depuis l'espace. Et ce sera tellement plus rapide que ce serait un peu con de pas le faire. Certes, ça me bouffe 242 métaux, mais... la seule vraie urgence... C'est de faire une ferme solaire. 180. Ah ouais, ça coûte. Ouais, mais c'est que sur Mercure, de toute façon. Ça coûte immédiatement plein de. Ouais, ça, je peux pas le faire. Mais... Pas assez de ressources. Donc, il faut que j'attende. Tant que je peux faire le complexe minier, de toute façon. Construire depuis l'espace. J'ai pas de quoi. Target destroyed. Voilà, ça c'est fait. Ah non, il faut que je recommence. C'est bien ce que je pensais. En général, comme j'ai cet event, ça nécessite de faire soit un succès critique. Revenu 7K. Ce qui est chiant, c'est que je puisse rien acheter. J'ai pas besoin de vendre, j'ai besoin d'acheter. Je pouvais dépenser tout cet argent à acheter des métaux et de la flotte qui doivent se trouver quand même sur Terre, non? Ah, j'ai commencé à avoir quand même des revenus sympathiques en eau, désormais. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Économie plus 5%, allez. Où est-ce qu'il est, JB? Prepping for next mission. Il est là. Mais on va arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.